Welcome to Great Chefs of the World, a culinary survey featuring premier chefs from around the globe. The appetizer comes from Mougins, France, and the cooking school of Roger Verger. He presents a classic from Provence, braised artichokes and tomato sauce. Then the main course is served in London. Eric de Blonde offers lobster not only as medallions, but in a stuffing for deep-fried croustillons. For dessert, it's Vienna and Chef Siegfried Pucker. His dish supports the dumplings' ubiquity in Austria. It is chocolate dough encasing strawberries. In France, it is said, without irony, that a great chef is like a rock star. Roger Verger is an example. In his long career, he seems to have been everywhere and done everything. Still, with all of his fame, dining in his Moulin de Mougins is overwhelming. Here is his braised artichoke first course. The chef and an assistant trim the leaves from these small artichokes. Voilà, mais vous avez vu, j'ai taillé l'artichaut. He says he leaves part of the stem because on small artichokes they're tender. He will peel the stem. Spécialement choisi, les queues sont assez tendres et peuvent être consommées. Alors là, j'ai dégagé les premières feuilles. Et là maintenant, je prépare la queue de l'artichaut, la base du cœur qui est ici. The chef notes that his assistant can go faster with this process and that perhaps he's lost his touch. He proceeds to cut away all the tough leaves, exposing the heart. Non, pas du tout. Bon, voilà. Alors là, vous voyez, on dégage le cœur de cet artichaut qui est très tendre. Là, en évitant de laisser toute partie verte qui... The final inner leaves are cut away and the artichoke is dipped in lemon water to prevent discoloration. On prépare un bain d'eau citronnée dans lequel on trempe aussitôt pour ne pas... Finally, the fibrous material is removed with the melon baller. À pomme parisienne, je retire la partie centrale. Voilà. Alors là, l'artichaut est prêt. Important, le plus important étant de les garder bien blancs et dans cette eau citronnée. Voilà. Alors, pour cette préparation... The chokes will be braised with sliced onion and carrot. Grooves are cut into the carrot first. Et là, nous éminçons le tout très fin. Alors, ceci... The vegetables are softened in olive oil. Then a little garlic is added. The artichokes go into the pan. Alors les artichauts que j'ai gardés dans l'eau citronnée jusqu'au dernier moment pour qu'ils soient bien blancs. Then sprigs of thyme, a half bay leaf and dried fennel are added. Une feuille c'est peut-être trop. Nous allons donc faire avec une demi-feuille. Toujours pour la quantité d'une portion. Et le fenouil. Voilà. Ajouter un vin blanc. Alors on choisit un vin blanc un peu sec. Dry white wine and chicken stock will comprise the braising liquid. Vous voyez une proportion de vin blanc que je vais laisser bouillir un instant pour en retirer l'acidité. Il faut toujours, lorsqu'on utilise vin blanc... He says to let it boil a bit to remove the wine's acidity. Pour en retirer justement l'acidité.
Now the chicken stock. C'est-à-dire il a perdu son acidité. Je rajoute donc le fond blanc. Le fond blanc, n'oublions pas le sel. The pan is covered and the artichokes are cooked for 15 minutes over medium heat, then finished over high heat for 6 to 7 minutes. The artichokes will be served with a tomato sauce that is started by softening sliced onions. Bear in mind that the chef is preparing enough sauce for one serving. Chunks of vine-ripened tomato are added. De deux tomates bien mûres dans les oignons. Et je laisse fondre les tomates. The tomato is cooked until it becomes tender and, as the chef puts it, melts. Then a spoon of glucose is added. A little sugar mixed with water could be substituted. Un produit que l'on utilise surtout en confiture, en pâtisserie. Alors là, je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. As cooking continues, the tomatoes are broken up with a whisk. A little salt is added. The mixture goes into a blender and then is strained. Là, nous l'avons passé au mixeur et ensuite à la passoire fine pour arriver à ce résultat. Et à ce moment, j'ai la tomate fraîche que j'ai coupée en petits dés que je rajoute dans la... Some chopped, peeled and seeded fresh tomato is added. Alors là, il y a la valeur. Au départ, nous avions deux tomates qui ont fait la partie liquide et une tomate... The sauce is finished with a touch of Provence, halved green olives. Ajouter dans la confiture de tomates des olives vertes et noyautées. The artichokes are cooked and finished with chopped parsley and cilantro. Que je rajoute dans l'artichaut. Sans trop. Et on arrive ainsi, vous pouvez le voir, à une cuisson émulsionnée, c'est-à-dire pour arriver à une parfaite sauce. Enfin, c'est... Ça devient une sauce qui se lie par le fait de l'huile et de l'émulsion des liquides. Là, dans la fantaisie que j'ai rajoutée, c'est cette confiture de tomates avec des olives vertes que je distribue.